Bonjour et bienvenue, c'est Petit Shinodense et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Timelapse. La dernière fois on avait fait les écuries qui certes sont à côté d'une prison mais n'en restent pas moins des écuries de qualité. Voilà, vous voyez, il y a la prison et les écuries juste ici. Et aujourd'hui, notre bon roi d'Anoria Town nous a confié, enfin m'a confié, mais au nom du peuple d'Anoria Town, les Anoriens, une nouvelle réforme, une nouvelle restructuration d'un quartier qui sera le port, hein, puisque après avoir travaillé sur les écuries, la prison et la North Gate, hein, qui était une réforme inspirée et imposée par notre bon Manuel Ier, on se retrouve donc avec aujourd'hui une nouvelle réforme à apporter comme ça sur des lauriers et à mettre en place. Et bien évidemment pour le bien de la communauté puisque nous sommes là à faire des rénovations pour le bien de tous. Hein. C'est dans un objectif collectif. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on s'attaque à un petit quartier qui est le quartier du port. Quartier qui avait déjà eu son lot d'émerveillement, son lot de technologie à l'époque, avec la présence de ces grues qui permettaient le déchargement des marchandises du bateau, qui était une grande avancée à cette époque, en 2012, quand ça a été mis en place. Mais aujourd'hui, cette avancée commence à se faire vieillissante, pardon, et à battre un peu de l'aile face à la concurrence de plus en plus acharnée, que les autres états du monde nous mettent. Donc vous le voyez, hein, ce bâtiment, ce petit quartier est quand même assez rustique et un bon coup de rénovation à coup d'expropriation commence à être vraiment utile et nécessaire pour pouvoir justement augmenter notre puissance économique anorienne. Donc moi, je vous propose aujourd'hui, sous ordre du roi, hein, Manu Ier, hein, moi je l'appelle Manu, mais c'est pour vous, c'est Emmanuel, Emmanuel Ier. Mais voilà, Manu m'a dit, tu rénoves ce quartier, ce que Manu dit, Manu a. Donc, pour le quartier, on passe sur une base neuve, hein, on a tout pété, et on va conserver le positionnement de l'ancienne tour, bien que je l'ai un peu fait déborder comme vous voyez sur la mer. On va combler tout ça après. Derrière, je veux un bâtiment assez aérien sous lequel on puisse circuler justement pour apporter les marchandises. Donc là où je n'ai pas fait de mur, c'est là où il y aura un poteau ou un pylône ou un pilier comme vous voulez, mais c'est là où il y aura donc des arches qui va nous permettre, comme un peu pour l'écurie, l'épisode est juste en haut à droite pour ceux qui l'auraient raté, c'est l'épisode précédent, qui va nous permettre tout simplement de passer sous le bâtiment. Je trouve que l'idée est intéressante pour accéder à la cour intérieure dans laquelle non seulement on va pouvoir déposer des marchandises avant de les entreposer, mais dans lesquelles j'ai préparé, voilà, une succession d'entrepôts pour pouvoir garder tout simplement les différents matériaux, ressources qui seront importés ou destinés à l'exportation au sec, à l'abri des intempéries et des voleurs de la racaille des cités du nord. C'est pour ça qu'on a mis in fine une North Gate, hein, c'est pas pour rien, tu vois. Donc là, on est maintenant sur la tour. Je pense que c'est le cœur même de ce bâtiment, c'est ce qui va le caractériser le plus, donc c'est par là que je préfère commencer. Donc la tour, bâtiment que j'ai travaillé différemment de l'ancien, puisque là je l'ai fait un peu comme dans la même logique que la muraille de la prison, je l'ai fait tout en dur avec des matériaux qui ont une connotation solide, donc avec de la stone brick, les nouveaux blocs de stone, bon avec le texture pack on a du mal encore à différencier, mais avec des blocs vraiment pas du bois, vraiment des blocs solides, tu vois, des stacks castagne. Par dessus je vais ajouter une petite structure en bois qui, dans mon idée, dans mon esprit, et c'est une petite structure donc plus légère, forcément puisque c'est du bois, mais qui va pouvoir justement permettre les rotations de la grue pour pouvoir récupérer les marchandises dans la cale du bateau, les soulever, hop, tourner,
rotate, tu vois, hop, et les déposer dans la cour prévue à cet effet avant que les petites mains ne puissent l'entreposer en dessous. Donc dans l'idée, voilà, c'est quelque chose que je fais tout en bois, avec un contrebalancier qui a été mis. Petit détail que j'ai ajouté, c'est les pistons. C'est un bloc de piston qui me sert un peu de vis ou de gros clou. Je trouve que la texture est intéressante sur ce point-là. D'un point de vue un petit peu RP, parce que j'ai mis un peu, comme vous le savez, dans cette rénovation de Anoria Town, le RP un peu plus en avant. Et toujours dans cette idée de RP, vous savez que le triangle est la forme géométrique la plus solide. Donc j'ai ajouté une forme de triangle pour donner cette impression de solidité à cette tour qui voyait plus, mais quand même une impression de solidité. Donc voilà les arches dont je vous parlais tout début. Donc on va pouvoir circuler en dessous pour pouvoir atteindre les quatre différentes petites niches, on va dire, locaux d'entrepôt. Donc on va pouvoir passer en dessous, récupérer les marchandises. Enfin, l'idée est donc la suivante. Donc surtout mon bâtiment qui est en forme du coup de grand L ou de grand C un peu particulier, je viens poser mon bâtiment classique entre guillemets, donc fait de bûches et de laine, vraiment le classico, très 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 rectiligne dans l'idée, hein, c'est un bâtiment assez fonctionnel, assez grand aussi d'ailleurs, mais assez fonctionnel, donc très rectiligne, et je vais venir casser cette rectilignité. De 1 avec les toits qui sont en arc de cercle, donc qui viennent manger sur mes patterns, in fine. Et de 2, en ajoutant par-ci et là des toits, donc là vous voyez qu'il y a un toit, et des extensions. Là où j'ai ajouté la plus grosse extension, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment une très grosse extension avec un toit qui va traverser l'intégralité du bâtiment de part en part. Et qui va justement dans l'idée casser ce côté rectiligne un peu. On avait utilisé la même technique, vous voyez les techniques ne changent pas, hein. Les idées ne changent pas sur le principe. On avait utilisé la même idée sur l'épisode pour les écuries où on avait fait une même avancée et je trouvais l'idée très bonne, donc j'ai repris cette idée pour ce bâtiment. Mais voilà, donc là on est vraiment en train de faire l'esquisse de notre bâtiment pour ensuite venir y placer les toits qui est forcément un côté très important. C'est une partie de vos constructions qu'il ne faut surtout pas négliger, puisque c'est une partie de la construction qui se voit vraiment beaucoup. Je vais vous préparer un petit épisode sur les toits bientôt, un peu à l'ancienne, complètement à l'ancienne. Je pense que vous devriez apprécier cet épisode qui va vraiment venir taffer là-dessus sur les différentes possibilités que vous sont offertes. Mais je pense que j'arriverai pas à couvrir tout le sujet. Mais dans l'idée, on va essayer de développer un peu tout ce qui est possible de faire avec des toits. Puisque comme vous le voyez de loin, là, si je regarde ma structure, même ce petit quartier, vous voyez que la majeure partie de la structure qu'on voit, ça reste le toit. Donc vraiment un élément essentiel de vos constructions à ne surtout pas à rater. Important. Donc là on arrive sur les petites niches dont je vous ai parlé, donc mes petits entrepôts ouverts que vous voyez, ils sont pairs. Puisque justement j'avais vraiment de base décidé, c'est un parti pris, de venir travailler avec un petit toit différent de ceux qu'on fait habituellement pour différencier justement l'entrepôt du reste des structures. Donc toit très simple à 45 degrés qui apporte dans l'idée quelque chose de très intéressant, je trouve, puisque on différencie, on a pour une fois dans Anoria Town un toit vraiment différent du reste des structures. Qui donc attire pas trop la vision, tu vois, il attire pas trop l'attention puisqu'il est assez bas, vous voyez la structure fait à peine 5 de haut, mais qui quand même apporte un gros changement sur la vision générale du bâtiment. Vous voyez que vu de derrière, on a quand même quelque chose de différent et c'est quelque chose d'intéressant au final. Là, vous voyez que derrière mes petits entrepôts côté mer, j'avais un espace assez complètement vide en fait, c'est même pas juste assez, il est complètement vide cet espace, et je me suis dit que c'était intéressant
d'y intégrer, au lieu de mettre une maison un peu plus classique, d'y intégrer une espèce de petit marché. Petit marché aux puces, stand poissonnier en bleu, vraiment hop, le petit pêcheur du coin, le petit bateau de pêche, il récupère son poisson, il file directement ici, le produit des frais, c'est parfait. Donc un petit marché vraiment accolé, un peu limite bidonville, tu vois, un petit marché accolé sur notre structure. L'avantage, c'est que ça vient déjà premièrement ajouter un peu de couleur. Deuxièmement, ça ajoute un peu de diversité à la structure en général, puisque on a, bon, après cette structure est un peu plus originale, mais ça apporte encore plus de diversité. Et troisièmement, ça donne un peu un point d'intérêt, un petit côté RP qui est dans l'idée, je pense, pas stupide et qui s'intègre relativement au paysage. En plus, je l'ai pas fait tout droit, je l'ai fait un peu en biais. Alors, je vous avoue que je l'ai pas très bien réfléchi sur le moment. J'aurais dû faire intégralement ma structure en laine et ensuite faire mes traits dessus, ce que je n'ai pas fait. Pour ceux qui ont l'œil le plus aguerri d'entre vous, je l'ai pas fait, mais au final, je pense que ça rend plutôt pas mal. À voir si je viens retravailler sur ça plus tard. En tout cas, voilà, dans l'idée, voilà un peu le résumé de ce build. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas encore ajouté les détails, ça c'est pour la suite, mais dans l'idée, voilà mon résultat du port. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. C'était Petit Chino de NC. Salut. Day.